Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en live pour vous présenter une petite tenue. Vous pensez pas que ça sera une tenue sexy? Non, je déconne. Une petite tenue du personnage Luffy. Attendez, que je me trompe pas. Hein. Arrêtez un peu. C'est Luffy dans One Piece. Donc j'espère que je le prononce bien, c'est Luffy dans One Piece. Donc c'est très simple, vous faites comme dans la vidéo, vous allez dans les shorts et vous mettez le bleu, donc je vais vous montrer lequel, donc je sais plus c'est quoi le nom. Short de bain. Ah non, c'est lui. Alors le bleu, donc je vais vous montrer. Bon, c'est sûr, on va pas avoir la Bermuda bleue, vous mettez. Vous allez dans Léo. Vous allez dans le costume. Vous prenez le rouge, vous mettez pas de t-shirt bien sûr. Donc si vous avez un t-shirt, vous l'enlevez. Vous avez dans les tongs, vous mettez tongs noirs. Donc voilà. Vous avez dans les chapeaux. Dans les chapeaux, vous mettez dans les chapeaux, c'est ceux-là, je crois. Attendez, j'ai un petit doute, non, c'est ceux-là. Les ronds là qui sont comme ça. Bon, bien sûr, il n'a pas de barbe, donc on va aller chez le coiffeur et on va enlever bien sûr la chaîne. Enfin, je sais pas si on peut l'enlever ici. 2 minutes, je regarde. Donc, c'est pour ressembler au personnage de One Piece, Luffy. Hop, non, je pense qu'on peut enlever là les. Non. Alors, on va ressortir et on va aller au magasin du salon coiffeur. Donc voilà, je vous présente ma petite voiture qui est super jolie. Vous avez vu qu'elle est belle, ma voiture. Un peu de sang au milieu, mais c'est rien, c'est la mode. Donc c'est très simple, on est arrivé. Pas besoin de courir. Mais bien sûr, après je vais enlever la chaîne et les gants. Les gants et la chaîne pour bien ressembler au personnage de One Piece. Parce qu'à la base, il faut bien ressembler aux personnes de One Piece. Donc, vous allez dans l'armée, vous faites raser de près. Donc, voilà, la dame va raser. Donc, vous rasez de près la barbe. Désolé si vous entendez voilà, un petit bruit. Vous inquiétez pas, c'est rien. C'est moi qui regarde bien, si je ne me trompe pas. Bien sûr, la petite photo pour vous décrire le truc. Et après vous allez dans les coiffures et vous mettez attendez que j'ai un petit doute là, un petit doute pour la coiffure que je regarde, que je me trompe pas bien sûr, ça sera un peu dommage de ça. Alors c'est donc la coiffure, ça ressemble un peu bizarrement à je sais plus où aller cette coiffure, donc c'est celle-là. Un coupe. Je regarde s'il n'y a pas une coupe un peu comme ça. Hop, désolé, j'ai fait voler mon téléphone. Je l'ai fait voler façon de parler, je l'ai fait bouger. Je pense que c'est cette coiffure-là du coup. Ça doit être celle-là. Ouais, c'est celle-là. Je crois que c'est la façon. Je peux pas faire mieux, les amis. Donc, on va ressortir avec le chapeau. Bon, là, ça m'enlève un peu de thunes. Mais. Voilà, ça doit être ça. Bah, allez, je vois que c'est ça. Coiffure, barbe, torse. Non, c'est bon. Et du coup, voilà. On ressemble un peu au personnage de One Piece. Luffy. Donc, on va aller au magasin. À côté pour enlever bien sûr comment ça s'appelle la chaîne et les gants, parce que pour bien ressembler sinon ça sert à rien de faire ce genre de tenue si on n'enlève pas la chaîne et les gants. Donc merci de me dire en commentaire si ça ressemble bien. Bon, bien sûr à la base il n'y a pas de tatouage, mais je veux pas enlever non plus le tatouage. Voilà, là on va enlever la chaîne, hop, on revient en haut, pas de chaîne, et les gants c'est ici aussi je crois, moi je mets les gants mais voilà,
Hop là. Donc j'espère que ça ressemble vraiment à ce personnage de One Piece, donc Luffy dans One Piece. J'espère que cette vidéo va vous plaire et dites-moi ou pas si ça ressemble vraiment ou pas. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur GTA et abonnez-vous et à très vite et ciao tout le monde, piston, salut!